nous allons présenter un arbre qui est beaucoup préconisé, surtout lors des opérations de reboisement, hein, lorsque, disons, le désert avance, la sécheresse a fauché la plupart des arbres, il y a eu des attaques en maladie et autres. C'est un arbre qui est recommandé parce que, donnant un bois qui est très très résistant, notamment aux termites, il s'agit de l'anacardium occidental, qui est encore appelé en français l'anacardier ou le pommier cajou. Eh bien, l'anacardier est là devant nous. On a, disons, un petit bosquet ici qui en présente un certain nombre de pieds. On va dire, en gros, une trentaine de pieds. Hein. Il est reconnaissable déjà au loin par le fait qu'il a un fût relativement court. Le tronc, avant l'apparition des premières branches, est très court. Mais aussi à cause de sa frondaison, une frondaison qui est assez large et avec des branches qui peuvent descendre en direction du sol jusqu'à presque toucher le sol. On a vu des anacardiers où les feuilles touchent vraiment le sol, c'est le cas. Donc on va reconnaître surtout à cause de ça. On reconnaîtra aussi à cause de ses feuilles larges et charnues, cassant, donc avec une forte odeur hein, quand on prend la feuille. On froisse ça, on sent, il y a une sorte d'odeur qui est là, qui est assez agréable, c'est selon. Et donc c'est cet anacardier que nous allons décrire maintenant, notamment dans la disposition, la forme et les caractéristiques de ses feuilles. Mais peut-être avant ça, si on regarde le tronc lui-même, nous allons choisir un tronc, disons, relativement élégant à voir. Là, par exemple, bon, on voit le tronc, il est assez tortueux, c'est une de ses caractéristiques aussi. En général, ce n'est pas des troncs droits. Hein. Le fût est court, mais le tronc aussi est très tortueux. Et ça, c'est un tronc assez âgé. On voit, il y a un peu d'écaille, hein, là, plus ou moins crevassé. Mais la couleur générale du tronc, c'est du gris, disons foncé, parfois même noirâtre. Hein. Et les écailles assez âgées, on les voit là, qui peuvent s'enlever facilement. En fait, il y a attaque même de termites, c'est surtout les écailles mortes, hein, mais c'est très rare que les termites puissent consommer l'écorce même de l'anacardier. On peut d'ailleurs faire une petite entaille, hein, avec mon petit couteau qui est là, on peut faire une petite entaille pour voir quel est en bas donc de ça, des écailles, qu'est-ce qu'il y a comme couleur d'écorce, hein, voilà. En grattant un peu plus, voilà, hein, vraiment rouge sang, ou si vous voulez, rouge bordeaux, hein, une certaine épaisseur. Alors ça, c'est bien prisé par les phytothérapeutes, c'est pour ça qu'on peut voir que plusieurs des troncs, même ici présents, présentent de larges entailles, mais nous avons dit déjà dans certaines de nos vidéos que ça, c'est la meilleure façon de détruire un arbre. Et nous, ce que nous essayons de faire, c'est de faire connaître, bien entendu, les arbres aux gens, mais surtout pas pour les détruire, parce que là, quand on enlève l'écorce comme ça, à la base même du tronc, et surtout il y en a qui le pratiquent tout autour, eh bien on empêche la sève de monter vers les feuilles, et donc on coupe, disons, la sève de vie, et l'arbre va mourir. Lorsqu'on veut prélever de l'écorce, il vaut mieux monter un peu plus loin, hein, et donc sur les branches, qui possèdent les mêmes vertus, hein, qui ont les mêmes substances et les mêmes principes actifs, on peut enlever les écorces à ces niveaux. Pour décrire la feuille, on va prendre ce rameau, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de feuilles qui existent là-dessus, donc on peut mieux décrire la disposition des feuilles. Et là, on regarde, hein, on voit que, tel que nous observons, les feuilles sont d'une disposition alternée. On voit, dans, disons, un pétiole qui s'attache ici, un autre qui s'attache là, un autre là, un autre là, un autre là. Ce n'est pas une disposition en spirale montante, sinon on aurait vu clairement cette structure. Ce n'est pas aussi opposé, parce que sinon on aurait vu en face de chaque pétiole, on aurait vu un pétiole opposé, une feuille opposée, si vous voulez. Donc c'est une disposition, on va dire, alterne. Et les feuilles sont coriaces. Nous avons coupé tout à l'heure une feuille, mais quand on appuie sur le limbe, c'est cassant, avec des nervures très saillantes. La forme générale de la feuille, on peut la distinguer ici. Hein. On voit que là-bas, le sommet est arrondi ici.
le sommet est arrondi. Et puis, à la base ici, c'est-à-dire vers le pétiole, nous pouvons observer que ça va en coin. Hein, c'est cunéiforme ici. Donc, il y a une sorte de rétrécissement progressif. Pour cette raison, cette feuille qui aurait pu être ovale, disons qui aurait pu être elliptique, d'ailleurs on voit il y a beaucoup de feuilles qui sont quasiment elliptiques, hein, a l'air plutôt, va évoluer surtout vers la forme obovale, c'est-à-dire que la partie inférieure vers le pétiole est plus mince que la partie supérieure, obovale, l'œuf renversé. Mais beaucoup de feuilles sont plutôt d'une forme, disons on va dire, elliptique, hein. Vous voyez celle-là par exemple, c'est une forme elliptique. Alors, le pétiole, on peut voir, c'est de l'ordre de, on va dire, pour celui-là, alors, 15 mm, regarde bien, 15 mm, hein, et on peut prendre d'autres feuilles pour confirmer ce chiffre, hein, c'est de l'ordre de 15 mm, là également, si on regarde, ça là même c'est un peu plus, c'est jusqu'à l'ordre de, on va dire, jusqu'à 20 mm de longueur de pétiole, donc entre 15 et 20 mm. Et maintenant, les dimensions de la feuille, bien entendu, c'est très variable, on peut le voir, leur disposition ici, c'est plutôt en bout de rameau, mais nous avons montré que c'est une disposition qui peut s'étendre tout le long du rameau, comme ici. Donc on va prendre une feuille ici, et on va mesurer sa longueur. Nous avons jusqu'à 15-16 cm, mais il y a des feuilles qui sont plus grandes, hein, qui peuvent atteindre 20 cm de long. Sur une largeur de... Ici, on a une dizaine de centimètres. On peut imaginer aussi une fluctuation de plus ou moins 2 cm autour de cela. Alors, les nervures sont très très visibles. C'est même comme imprimé en relief. Là, on peut voir, on peut compter les doubles nervures, hein, c'est-à-dire les paires de nervures. Une première paire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hein, disons 10 à 12 paires de nervures secondaires. La nervure principale, elle est là, bien sûr. Et au dos de la feuille, on voit, c'est encore plus imprimé en relief. Et la partie, disons, la partie supérieure de la feuille est d'un vert, on va dire, normal, tandis qu'elle est légèrement plus blanchâtre au dos. Les nervures tertiaires aussi sont assez visibles, d'ailleurs, au dos de la feuille. Alors, donc, avec le développement de la plante, hein, eh bien, va arriver l'inflorescence. Soit dit en passant, l'Anacardium occidental est une plante qui a été décrite comme originaire de l'Amérique tropicale, mais qu'on rencontre maintenant sous toutes les zones tropicales. Hein. C'est très apprécié. On va en parler un peu plus loin des utilisations que les gens font des différentes parties de la plante. Mais voilà une inflorescence, elle va apparaître surtout sous forme de petites fleurs rouges à verdâtres, n'est-ce pas, inflorescence terminale, là que vous voyez, hein, des petites fleurs donc rougeâtres avec des boutons verdâtres ici. Alors là, si vous regardez un peu plus en détail, alors peut-être on peut faire un gros plan et voir un peu les, mais disons les... D'abord les sépales, hein, qui sont les éléments externes là. Ensuite les pétales, ce que vous voyez, disons, ouverts et retombant là. Là. Hein, ce sont les éléments de pétales. Là, il y en a, j'en compte combien? 1, 2, 3, 4, 5. Et là, au milieu, peut-être pas très visible, vous pouvez deviner, le pistil qui a la tête recourbée, entouré de petites étamines. Et donc, lorsque l'organe femelle, donc le pistil, va être fécondé, on va alors voir apparaître justement le fruit. Mais en réalité, ce qu'on appelle fruit et que les gens consomment souvent, à cause de ce jus légèrement acidulé mais très sucré, c'est, disons, le pédoncule même qui porte la fleur, qui va s'hypertrophier, comme on peut voir ici. En tout cas, une bonne partie du pédoncule va s'hypertrophier, va accumuler du jus, et au sommet de ça, il va apparaître donc ce que nous considérons en général, hein, dans le langage populaire, comme la graine, qui est en réalité le fruit, un fruit akène là, qui contient une noix, hein, et une huile aussi, huile qui peut être toxique
pour l'homme, mais dont on peut se débarrasser. La noix qui est à l'intérieur est souvent grillée, hein, rôtie, même artisanalement, et qui est mise dans des sachets, beaucoup appréciée, parce que ça a un goût particulier que les gens apprécient beaucoup, mais qui est aussi très très riche en magnésium. Ce pédoncule hypertrophié, il n'a pas fini son développement ici, couleur verdâtre, aussi la graine ou le fruit proprement dit, qui est là, couleur verdâtre, va tourner à cette couleur, disons, gris clair. Hein? Hein? C'est une couleur grise qui est un peu claire, un peu blanchâtre. Et la forme, c'est une forme de rein, hein? Il y a un mot savant pour ça. Mais disons, on peut retenir tout simplement que c'est voilà, c'est une forme, disons, réniforme. Quand on regarde, c'est un peu comme la forme du rein humain. Alors, justement, ça contient une huile un peu acide, c'est ça qui est toxique pour l'homme. Et à l'intérieur aussi, hein, de cette, disons, de ce fruit akène, il y a une graine qui est là-dedans, un peu blanchâtre. Si on fait cuire, c'est cette graine qui est consommée. Qui est très appréciée parce que très riche en magnésium. Et la partie pulpe, disons, la partie du pédoncule, parce qu'on voit le reste du pédoncule ici, hein, même là on le voit encore, qui va s'hypertrophier, eh bien c'est ça qu'on consomme généralement, et qui est sucré, légèrement acide. Et là on voit là, ce qu'on appelle la pomme, justement la pomme de cajou. Celui-là, on a une hauteur de combien? De 3 cm sur une largeur de à peu près 4 cm. Hein. Et ça vient comme ça, très souvent sous deux couleurs, hein, la couleur rouge d'abord et ensuite la couleur jaune. C'est essentiellement ces deux couleurs qu'on trouve. Et voilà, c'est ça qui fait l'objet d'ailleurs dans certains pays, hein, d'un commerce vraiment gigantesque, notamment le fruit akène dont on a enlevé la graine à l'intérieur et qu'on a fait cuire. Et c'est envoyé jusqu'en Europe. On trouve dans plusieurs supermarchés, placés dans des sachets et qui sont donc vendus. Alors là, justement, j'ai récupéré le fruit akène, la graine, et on peut donner ses dimensions, hein. Quoi, 3 cm de haut, sur une largeur d'environ 2 cm. J'ai cassé là, avec un caillou, justement, un de ces fruits akènes, voilà l'amande qui se trouve à l'intérieur, et voilà le coquillage, hein, la carapace, l'enveloppe dure, et vous pouvez détecter là, cette partie huileuse que vous voyez, c'est de l'huile, mais ça c'est très très... C'est très acide, ça attaque. Il y a des gens même qui utilisent dans certaines contrées cette huile pour faire des tatouages sur la peau, hein, des scarifications, parce que ça attaque. Et c'est ça qui est toxique aussi. Mais cette amande, en général, qui est après cuisson, donc après rôti, cette amande est très très nutritive. Et les gens récupèrent ça. Hein, il y a une fine pellicule là-dessus, les gens récupèrent ça pour consommer. Voilà, ça c'est disons, dans sa partie principale, c'est à cause de ce fruit justement que on trouve en Inde, en Côte d'Ivoire par exemple, de vastes plantations d'anacardium occidental ou d'anacardier ou de pommier cajou. Là, j'ai enlevé la fine pellicule qui entourait l'amande, hein. Oui, un peu. C'est la même consistance qu'une graine d'arachide. Et là, ça, bon, celui-là a été pratiquement consumé par le soleil brûlant d'ici. Et là, ça se consomme. Mais normalement, on brûle ça. Mais à ce stade, il est inoffensif plutôt. Et comme j'ai dit, c'est surtout l'huile-là qui est très toxique. Alors, il y a beaucoup d'histoires, de fantasmes à propos de ça, bien sûr. Mais la réalité, c'est ça, c'est l'huile qui est toxique. Et la pomme elle-même, elle est beaucoup consommée, bien entendu. Hein, vous pouvez voir là, je peux faire une entaille pour que vous voyez comment la pulpe se présente, avec mon petit couteau toujours. Et là, c'est très très juteux. Vous voyez là, c'est très très juteux.
Et je peux prendre un petit morceau et consommer ça. Ouais, c'est un peu fibreux. Ouais, là, et le jus sort. Un peu fibreux. Donc on consomme ça. Ça, c'est un fruit rouge, un fruit jaune. Et il y a des fruits qui sont deux fois, trois fois plus. Disons, la pulpe est trois fois plus développée que ça, là. C'est très, très sucré. Très agréable, un goût particulier. Voilà, là, je coupe un autre morceau. Là, là. Voilà. Maintenant, les noms. Alors, si on part au Mali, par exemple, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et même au Niger, hein, les Malinké ou les Bambara ou les Mandingues, la plupart des gens appellent cet arbre saumon. Saumon. Il y en a qui disent les Malinké du Mali, par exemple, il y en a qui disent Dibarani, hein, voulant dire littéralement la petite poche qui contient de l'eau, qui contient du jus. Maintenant, toujours au Mali, chez les Senoufo, ils vont dire Komigason. Komigason. Au Sénégal, dans certains milieux, en Casamance, en Diola, ils vont dire Koubissa, ou bien Kadou, ou bien Boukajou. Certains Mandingues là-bas l'appellent Finzan. Les peuls tout couleur du Sénégal vont appeler ça Darkassé ou Darkassou. En Sérère, ils vont l'appeler Daf du Roubad. Et les Wolofs, hein, Wolof Lébou, ils vont dire Darkassé. Au Togo, en Ewé, ils vont dire Yovotsa ou bien Atsati. En Kabyé, toujours au Togo, ils vont dire Atsatiou. Maintenant, si on part côté Bénin, en Nadja, ils vont dire Yovotchan. En Bariba, Yuburu Somba. Disons, en Minan, au Bénin, ils vont dire Akan. En Minangène, ils vont dire Yovokad. Voilà, donc ça, c'est juste quelques noms que nous avons tirés de la littérature concernant cette merveilleuse plante que nous avons tous intérêt à pouvoir reproduire et conserver dans notre environnement, notre biodiversité, dans notre jardin, dans nos champs, que ce soit des petits champs aux abords des villages ou encore même plus en profondeur dans la forêt.